retour de notre édition pour la troisième et dernière partie consacrée à Rio, les Jeux Olympiques. En titre, nous verrons l'agenda et le programme du 10. Et puis un clin d'œil aussi aux volleyeuses du Cameroun. Et avant de vous présenter le plateau une nouvelle fois, je voudrais faire un petit clin d'œil à notre collègue Zara Mohamed Moutiou, que nous retrouverons dès le début de cette émission. Coucou Zara, avec son joli sourire. Et puis notre plateau avec Raphaël Toll, grand connaisseur du cyclisme. Et également, rebonsoir Raphaël. Bonsoir. Et Syrah Sylla, rebonsoir Syrah. Et puis Monsieur Mohamed Traoré. Bonsoir à tous. Oui, et la question des JO, êtes-vous satisfait à ce JO du comportement de nos athlètes et de nos équipes? Vous allez sur nos réseaux sociaux et vous intervenez sur jo2016@africa24tv.com. Juste après ça, nous retrouvons Zara. Alors faites-nous rêver Zara, le programme de ce mercredi 10 août. Alors oui, José, des rencontres cruciales ce mercredi avec notamment en volleyball le Cameroun qui tentera d'en découdre avec la Russie. D'autres épreuves sont également au rendez-vous. Je vous propose de voir le détail en images avec Idlette Mirabel-Bis. L'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio ce 10 août 2016 va tenter de dire son mot. Tout d'abord avec le tir sportif, c'est Mohamed Rama du Maroc qui va montrer sa performance au double trappe homme. Rappelons qu'il est double champion national 2015 et 2016 de tir sportif au Maroc. En individuel chez les hommes au tir à l'arc, Gavin Sutherland du Zimbabwe affrontera Kim Oudin de la Corée du Sud. L'Algérie en scène dans l'escrime chez les femmes avec Anissa Khelfawi. Elle va affronter la Canadienne Eleanor Harvey. L'Algérienne est championne d'Afrique d'escrime en individuel. Elle a aussi remporté 4 médailles de bronze et une médaille d'argent entre 2011 et 2016. Toujours chez les dames, mais cette fois-ci avec le basket, le Sénégal affrontera le Canada et le Nigeria croisera le fer avec la Lituanie. En ce qui concerne le handball chez les hommes ce 10 août, l'Angola fera face à la Norvège et l'Égypte à la Suède. Vous avez glané quelques infos pour nous, pour nos téléspectateurs, Zara? Oui, quelques petites informations. Bon, on l'a vu en première partie, le continent ne tire pas encore son épingle du jeu, mais rien n'est encore perdu. Pour la petite histoire, au JO de Londres en 2012, les sportifs africains avaient ramené 34 médailles, donc tout est encore permis. Puis avec ces jeux sur le continent américain, la question d'une éventuelle candidature africaine est relancée. José, la flamme olympique n'a jamais encore illuminé sur aucune capitale du continent, mais 2024 est pressenti comme une année charnière pour l'Afrique et les Jeux olympiques. Merci Zara, et puis on se dit à demain bien sûr. Tout à l'heure nous parlerons des handballeurs d'Égypte. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces Olympiades? Un petit tour encore. Raphaël Toll, que pensez-vous par rapport à 2012? Peut-être pas une comparaison, mais comment jugez-vous ces Olympiades au Brésil? J'ai regardé la cérémonie d'ouverture, j'ai aimé. Bon, c'était différent que certaines cérémonies qu'on avait vues précédemment, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et jusqu'à ce jour, le sportif qui m'a vraiment fait vibrer, c'est un jeune Africain, je l'ai vu boxer hier soir. Mmh, oui. Mais il combat pour la France, mais j'oublie son nom, et il gagne. Ça, c'est de la classe pure. Oui, mais ouais, comme ça arrive souvent, hein. vous savez qu'il y a beaucoup de sportifs africains qui boxent pour l'Europe. Alors, Mohamed, vous confirmez? Oui, les athlètes, certains athlètes africains changent de nationalité régulièrement parce que bon, ils ont l'opportunité de pouvoir disposer de très bons moyens de s'entraîner. Et puis surtout, dans les autres disciplines, c'est moins contraignant qu'en football, par exemple, de changer de nationalité. Donc ça explique ces changements de nationalité régulière. Mais de façon générale, oui, les JO, surtout ce qui a retenu mon attention cette année, c'est que le Brésil a voulu placer ces JO dans le cadre du respect de l'environnement. Donc il y a eu beaucoup de gestes forts par rapport à cela pour permettre aux athlètes, aux sportifs et aussi à tous les amateurs d'avoir une pensée sur le climat, la préservation de l'environnement. J'ai trouvé ça très important.
Voilà, quelques images avant de retrouver Sigracilla que nous allons interroger tout à l'heure. Nous parlerons de handball avec les handballeurs égyptiens, mais Sira aussi nous dira quelques mots, elle, sur le basket avec Nigeria, le Nigeria et le Sénégal chez les filles et les garçons. Alors, justement, Égypte-Suède chez les hommes et Norvège-Angola chez les filles. Nina Conto, et là c'est du handball, Nina Conto nous dit comment elle voit ces deux matchs. Je pense que ça va être deux rencontres assez compliquées, que ce soit la Suède pour les garçons et la Norvège chez les filles. On sait que c'est un jeu qui est très rapide. Ce sont des équipes qui gagnent essentiellement leurs matchs sur le grand espace. Maintenant, il va falloir voir si nos équipes, aussi bien l'Égypte que l'Angola, vont réussir à relever ce défi-là. Si elles arrivent déjà à relever ce défi-là, je pense qu'elles vont réduire l'écart entre les deux nations. Et on sait aussi que, par contre, la spontanéité et la fougue des athlètes africains, des handballeurs africains, peut apporter quelque chose, d'autant plus qu'au niveau de l'Égypte, il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent dans les clubs européens aujourd'hui. Donc ils ont un petit peu plus d'expérience des matchs à tension et de très haut niveau. Donc je pense que ça va être deux rencontres assez relevées. Mais surtout Angola-Norvège, moi je pense que ça va être un match assez serré. Je mets une petite pièce sur la Norvège, mais je ne suis pas persuadée que l'Angola se laisse faire. Voilà. Bien sûr. Et mercredi, il y aura aussi un certain Sénégal-Canada en basket. Alors bon, Sénégal devrait se racheter contre d'autres Américaines. Et puis l'autre match, c'est Lituanie-Nigeria. Deux beaux matchs de basket que vous n'allez pas manquer, Sira. Je ne vais pas les manquer pour le Sénégal, mais c'est les choses sérieuses qui commencent. Ce qu'il faut, c'est mettre, laisser derrière le match contre les Américaines et vraiment se concentrer sur la suite de la compétition, d'autant plus que le Canada est aussi une grosse nation de basket. Elles ont fait une très bonne préparation aux États-Unis. Donc contre les États-Unis, l'Australie, elles ont affronté les meilleures équipes. Et c'est ce qui peut être difficile pour le Sénégal, bah, contrairement aux Sénégalaises qui ont fait une préparation sur le continent et qui n'ont pas pu vraiment se confronter à des grosses nations et vraiment se tester. Après, ce qui est important de rappeler, et le coach le rappelle très souvent, c'est qu'elles sont aux Jeux Olympiques pour affronter les meilleures équipes et se préparer pour l'Afrobasket 2017. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de construire un groupe et de préparer la prochaine compétition africaine. Après, chez les garçons, il y a le Nigeria-Lituanie. Ça va être compliqué aussi, parce que la Lituanie est une très forte équipe européenne. Donc le Nigeria a joué l'Argentine hier. Ils ont eu quelques problèmes en défense. Dimanche, précisément. Oui, dimanche. Quelques problèmes en défense. Ils ont eu du mal à contenir les shooters. Et la Lituanie, c'est vraiment le pays du basket. Et c'est des purs shooters. Donc ils vont devoir vraiment travailler sur cette défense, être plus agressif et vraiment monter sur ces shooters-là. Voilà, je connais un passionné encore de basket, il s'appelle M. Constant Némalé, il va se reconnaître. Et puis l'agenda maintenant, à venir pour le mercredi 10, vous le voyez, donc il y aura de la natation, de la boxe aussi, à partir de 14h GMT, 81, 56, 49 et 91 kilos, football, Algérie-Portugal à 16h GMT, du handball aussi, avec Norvège-Angola, et du volleyball à ne pas manquer, Wissi-Cameroun. Et puis, il y aura du basket, nous allons enchaîner avec basket femmes. Il y aura un certain Sénégal contre le Canada. Basket homme en groupe B, Lituanie contre le Nigeria. Mais oui, on vous en parlait à l'instant. Handball homme, groupe B, Égypte-Suède à 22h50 GMT. Du volleyball homme et en groupe D, Cuba-Égypte. Et puis, pour terminer, football femme, Afrique du Sud contre le Brésil. Mohamed Traoré ne rate jamais un match féminin. C'est ce qu'il m'a dit, bien sûr. Juste après ça, nous allons partir en Afrique. Il s'agit du portrait de l'équipe féminine de volleyball du Cameroun qui a été qualifiée pour ses JO, qui se classe pour l'instant 5e avec 0 points. Prochain match contre la Russie mercredi. Reportage de Viviane Baorken. Africain, les Lions indomptables du volleyball se démarquent par les atouts remarquables de ses attaquantes et de ses bloqueuses. C'est une équipe assez complète où dans chaque compartiment de jeu, on trouve des filles qui jouent de manière assez satisfaisante. Je vais commencer par la capitaine Nana qui est pointue, qui est l'une des attaquantes les plus foudroyantes d'Afrique. Nous avons au poste 3 une fille comme Fotso, qui est non seulement une brave attaquante en poste 3 en attaque rapide, mais qui est également une redoutable bloqueuse. Hein. C'est pas toujours, il faut le noter, ce n'est pas toujours évident,
mais elle a été élue meilleure joueuse du tournoi qualificatif olympique grâce au bloc. À l'issue des stages préparatifs, 12 d'entre elles ont été retenues pour l'échéance de Rio 2016. Cette autre participation à une compétition de haut niveau vient compléter la liste du palmarès de la sélection camerounaise de volleyball. Au niveau africain, elles ont fait la Coupe d'Afrique des Nations, elles ont fait les championnats africains, elles ont fait les Jeux africains, elles ont fait une Coupe du Monde, elles ont fait un championnat du monde. Maintenant, elles jouent un tournoi final des Jeux olympiques. Il ne manque plus que la World Grand Prix à laquelle la fédération s'attelle à vouloir les affilier parce qu'on estime que c'est ce qu'il leur faut. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'elles puissent évoluer désormais. Outre le challenge majeur de prendre part au Grand Prix, la Fédération camerounaise de volleyball entend préparer la relève de cette génération qui court progressivement vers la sortie. Un projet volet de vie a été lancé dans ce sens afin d'encadrer les jeunes joueuses de leur bas âge. Avant de faire un dernier tour sur le plateau, je voudrais juste vous parler de nos réseaux sociaux. Nous vous posions la question, êtes-vous satisfait à ce jour de la prestation de nos athlètes et nos équipes? Eh bien, plusieurs réponses et nous avons sélectionné trois. Stéphane Niam qui nous dit, c'est trop tôt pour juger. Il faut attendre au moins les disciplines comme l'athlétisme avant de se prononcer. Il y a Iben Ley qui nous dit, avec une seule médaille pour le moment, pas de quoi s'enthousiasmer. Sinon, il y a aussi le Nigeria qui est premier de sa poule en foot masculin. Gardons espoir. Et puis, Cheikh Tidiane Diaye nous dit que l'Afrique devrait amener une seule et unique délégation. Là, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a trop de pays sur le continent. Et puis, pour le sondage maintenant, 21% des personnes interrogées sont satisfaites de la prestation de nos athlètes et équipes. Par contre, si je dis 21% de satisfaction, 79% des personnes interrogées ne sont pas satisfaites de la prestation de nos athlètes et de nos équipes. Raphaël, tu as un tout dernier mot avant de remettre en antenne, avant de retrouver Cyril et Mamet. Ben, sur le cyclisme, que puis-je dire que j'ai une idole, mais c'est dommage qu'il porte la nationalité française et il est algérien. Il est algérien et il fait le Tour de France. C'est un professionnel qui a été champion de France il y a 2 ans. Et c'est l'un des plus grands sprinteurs au monde, Monsieur Nasser Bouhanni. Il court à la Française des Jeux, non? Non, Cofidis. Cofidis, ok. Cofidis. Ce gars-là, il va vite. En cyclisme, c'est mon idole. Ouais. Mais il a la nationalité française, il ne peut pas représenter l'Algérie. Eh oui. C'est dommage. Ouais. Aussi, il faut savoir aussi… Rapidement, hein, oui, en fait. Que les Algériens ont fait le Tour de France dans les années 50. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, ça. Mmh. Ouais. Et puis, dans les années 50, l'Algérie était encore sous colonie. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais il représentait l'Algérie. Ah, représentait l'Algérie, d'accord. Ouais. Syrah, un petit mot. Sur les chances des médailles, je pense qu'effectivement, c'est un peu tôt de se prononcer. On a pas mal de sportifs qui sont attendus, notamment sur l'athlétisme. Et on verra une fois que ces compétitions-là auront commencé. Mohamed. Dernier mot sur l'équipe féminine de basket du Sénégal. C'est vrai que beaucoup de commentaires fusent sur le fait qu'ils ont pris une raclée, mais je pense que c'est un match qui leur permet aussi de se préparer. C'est une équipe de moins de 23 ans. Et je pense qu'ils vont tirer beaucoup de renseignements de ce match-là contre les États-Unis parce que c'est la meilleure équipe du monde. Et quand on voit quand même les points qu'ils ont pu marquer, je pense que l'entraîneur aura beaucoup de renseignements à tirer de ce match-là pour le match suivant. Voilà, et bien en tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Je sais que Khadim, avec quelques larmes aux yeux ce matin, je l'ai appelé à cause de cette défaite du Sénégal. Mais Khadim, rassurez-vous, ça ira mieux la prochaine fois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à Zahra Mohamed Moutiou, notre consoeur. Merci à Raphaël Toll. Merci à Syrah et merci à Mohamed également. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Africa 24. Et n'oubliez pas. Le sport, surtout les Jeux Olympiques, à voir tous les jours et le soir sur des antennes de votre chaîne. Salut et à bientôt.